Je m'entretiens avec Jean-Frédéric de chez Rototech pour nous parler des nouveaux coffres de transport de Rototech et cette fois pour les VTT. Parle-nous donc de ce modèle-là. Salut Yannick, bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on a ici sur le VTT, c'est un coffre qu'on appelle le Expédition de luxe. Donc c'est le modèle plus haut de gamme qu'on offre pour les VTT une place chez Rototech. Donc, commençons par l'aspect peut-être le plus fonctionnel du coffre puis le plus unique. Oui, il y a beaucoup d'espace de rangement. L'espace de rangement, effectivement, de chaque côté. On peut mettre un casque de chaque côté. Le coffre à l'arrière, il y a un compartiment qui permet de mettre un bidon d'essence de 10 litres qui est inclus. Donc, le client qui achète le coffre, le bidon d'essence de 10 litres, il est inclus dans un compartiment complètement indépendant à l'arrière, ce qui fait que ça garde le look du véhicule puisque c'est caché. Puis ça permet de mettre, par exemple, notre sandwich d'un côté puis de ne pas avoir d'odeur d'essence. C'est complètement indépendant. Fait que ça, c'est l'aspect plutôt fonctionnel. Si on parle de l'aspect design, ergonomie, bien, on voit ici que c'est bien pensé pour le conducteur pour avoir un confort maximal. Il y a les poignées très solides en caoutchouc qui sont chauffantes sur ce modèle-là. Pour le modèle de luxe. Pour le modèle de luxe. Pour le modèle intermédiaire, c'est des poignées régulières non chauffantes. Fait qu'ici, on a le élevé ou le pas élevé là, pour ce qui est du chauffage. Puis ici, les protège-mains pour protéger du vent. Si on parle du matériel, c'est de la résine canadienne, c'est-à-dire que c'est de la résine du Canada. C'est ça, exactement. Ça veut dire que c'est 100% canadien puis 100% québécois comme produit. Fait que la résine est canadienne de première transformation, ce qui veut dire qu'elle n'a jamais été chauffée, moulée. Nous, on la prend, on met la couleur dedans. C'est nous qui fabriquons tout ça à notre siège social près de Rivière-du-Loup. Fait qu'exactement, 100% québécois, 100% canadien. Au niveau du rembourrage ici, pour le passager, encore une fois... Oui, très confortable. Vraiment une belle épaisseur, une belle qualité. Les coutures sont très, très, très précises, sont très, très belles. Vous ne verrez jamais de plis, par exemple, sur le produit. C'est toujours d'une qualité impeccable. Puis encore une fois, tout est fait à notre siège social à Saint-Antonin, près de Rivière-du-Loup. Et tout ça, ça peut aller pour tous les styles de VTT. Oui, exactement. Notre coffre, essentiellement, il peut transformer... toutes les marques de VTT qui font d'une place en deux places, à peu près toutes. Là, on pense à tous les grands constructeurs, ça fait sans problème. Puis on a un coffre pour les VTT deux places. Il y a quelques constructeurs qui offrent des VTT deux places. Donc au lieu d'avoir la partie rembourrage ici, on a simplement le coffre à l'arrière, comme celui-là qui offre un compartiment d'essence. Il y a d'autres modèles qu'on offre aussi qui s'appelle Ulysse. Lui, c'est le Ulysse Expédition avec le compartiment d'essence. Les Ulysse réguliers, ils n'ont pas le compartiment d'essence, mais ils ont plutôt une section plus grande pour le rangement. Modèle de base, modèle intermédiaire, modèle de luxe. Fait qu'il y en a pour tous les prix, tous les budgets, tous les besoins en termes de VTT aussi. Jean-Frédéric de Rototech, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Cette chronique équipement vous a été présentée par Rototech, spécialisée dans les produits pour VTT et motoneige.